Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode de Ma Simicité va craquer. Alors aujourd'hui, on va essayer de voir comment cette petite ville augmente et accélère petit à petit. Bien que là, j'ai toujours pas de commercial. Et donc, il va falloir voir pour pouvoir en installer de plus en plus. Et pour faire augmenter la population, faut jamais oublier d'augmenter aussi, donc comme là, la maison communale, enfin la mairie, pour pouvoir avoir tous les niveaux d'appartements, etc. au-dessus qui se débloquent. Parce qu'en fait, ça c'est masqué, mais les niveaux de population se débloquent aussi. D'ailleurs, on le voit de temps en temps s'afficher dans la barre du dessus. Et c'est ce qui permet de savoir que la ville évolue. Bon là, le problème de la ville, c'est qu'il n'y a pas assez de commercial. Et donc, à cause de ça, on risque peut-être de souffrir un petit peu. Et donc, on va essayer d'améliorer un petit peu plus la densité commerciale petit à petit pour que la ville survive et surtout évolue. Alors, il faut toujours essayer de détruire tout ce qui est abandonné parce que ça va faire diminuer la valeur donc en passant dans le mode bulldozer donc pour bulldozer tout ce qui est abandonné ou détruit donc tous les bâtiments avec une petite maison rouge une petite maison jaune au-dessus ou un bulldozer rouge au-dessus parce qu'ils font diminuer la valeur de la région enfin des bâtiments aux alentours. Donc ça c'est toujours important. Savoir que il faut essayer de maintenir le plus possible la valeur de la population pour le niveau que vous voulez atteindre. Donc là, évidemment, vu qu'on essaie d'avoir que des bas niveaux, on va essayer de mettre peu d'améliorations. Mais rien que par exemple la maison de la ville, enfin l'hôtel de ville, va créer à lui-même, mais tous les services, etc., vont créer en eux-mêmes de la valeur du terrain. Mais bon, la valeur du terrain, on n'a pas spécialement besoin pour l'instant, surtout si on veut essayer d'augmenter la densité au maximum, vu que la densité maximum n'arrive que quand les habitants sont pauvres, en fait. Donc c'est là qu'ils prennent le moins de place et qui sont le plus dans un seul immeuble. Donc on va essayer ici de limiter au maximum tout ce qui est haute richesse, donc tout ce qui est parc de haute richesse, etc. Et de petit à petit laisser la densité s'augmenter sans augmenter la richesse. Ce qui n'est pas forcément une chose évidente à faire parce qu'on a toujours envie d'essayer de faire pousser un peu la ville. Et on se rend pas vite compte que la ville elle évolue quoi qu'il arrive, en fait. Même sans qu'on commence à. Bon là je vais faire une école. Parce que l'école va pouvoir me permettre d'économiser pas mal en aval. Donc l'école en fait va me permettre d'activer le déblocage du lycée. Et le lycée, lui, me permettra d'avoir beaucoup moins de criminels dans ma ville. Donc au début, on a juste besoin d'une petite école rien que pour avoir 500 étudiants. Et une fois qu'on a les 500 étudiants et le département de l'éducation, on peut débloquer le lycée. J'ai mis par contre mon école un petit peu mal, vu qu'elle est sur l'avenue, donc ça veut dire que les gens qui doivent se déplacer pour aller au boulot vont se déplacer en même temps que les gens qui vont à l'école le matin. Donc c'est pas la meilleure des solutions, et ça sera corrigé par la suite une fois que j'aurai un lycée. Alors, on avait parlé aussi de raccourcis. Et il y a toute une liste de raccourcis qui est important à retenir. Il y en a aussi pas mal qui sont pas aussi importants. Je vous conseillerais de retenir surtout Shift R, qui va permettre d'arriver dans le menu des routes.
Ça va être un de ceux que vous utiliserez le plus souvent. Et R, une fois que vous êtes dans le menu des routes avec Shift R, vous pourrez appuyer sur R une deuxième fois pour avoir le menu d'upgrade des routes. Ça, c'est toujours pratique de l'avoir à portée de clavier. Et quand vous voulez désactiver les guides, par exemple, pour placer les routes, vous pouvez appuyer sur la touche Alt pour les masquer. Donc là, petit à petit, on peut voir que la ville évolue. Tout doucement. Mais je ne me suis pas encore rendu compte à ce moment-là qu'il faudrait un petit peu plus de commercial. Donc pour pouvoir vraiment booster au maximum. Les gens vont continuer d'arriver, mais très lentement. Là, c'est, je pense même pas qu'il y en ait encore beaucoup qui arrivent en fait. Non. Donc je vais devoir augmenter la zone, les zones dans lesquelles la population arrive, pour pouvoir justement avoir une petite poussée dans la densité. Parce que tant qu'on n'a pas atteint un certain nombre d'habitants, on ne peut pas augmenter la densité. Alors continuons dans les raccourcis des routes. En fait, quand vous êtes donc dans les routes avec Shift R, donc majuscule R, vous pouvez soit tracer des routes droites avec I, soit faire des rectangles avec H, faire des arcs avec J, faire des zigzags, par exemple des courbes en suivant la souris, en dessinant directement la souris. Vous pouvez le faire avec U, et pour le cercle, c'est O. Donc il y a une petite logique derrière ça, donc on voit bien que les lettres correspondent à comment la route va être placée. Donc c'est facile pour les retenir. Le I tout droit, le H en carré, le J en arc, le U en courbé et le O en rond. Alors une autre série de raccourcis qui sont très importants, mais ils sont faciles à retenir aussi vu que ils sont comme nommé dans l'interface, c'est RCI, donc c'est CTRL R, CTRL C et CTRL I. Ça va permettre de zoner les différents types de zones séparées. Donc CTRL R résidentiel, CTRL C pour commercial et CTRL I pour industriel. Pour dézoner, c'est CTRL U comme unzone. Donc si vous appuyez sur CTRL, comme j'ai déjà expliqué l'épisode précédent, vous zonez toute une aire de terrain qui est délimitée par les autres bâtiments qui ont été créés sur les bords ou les autres zones qui ont été délimitées sur les bords. Vous pouvez aussi passer d'un menu à l'autre avec Tab et Shift Tab pour pouvoir accéder directement au menu suivant. J'expliquerai les autres raccourcis par la suite, à part peut-être les trois vitesses, c'est 1, 2 et 3. Pause, ça va être la touche tilde en anglais, et ce sera peut-être P du côté français, je sais plus très bien, ça il faudra vérifier. Donc, et les contrôles de la caméra qui seront dans les ZQSD normaux, WASD si vous mettez votre clavier en anglais pour pouvoir y jouer. Moi, c'est ce que je fais la plupart du temps, j'ai ajouté la langue anglaise dans mon clavier Windows et ça me permet de switcher directement de l'un à l'autre avec Alt et Shift. Bon, maintenant qu'on a attendu un petit peu, on va essayer d'agrandir un peu tout ça parce que ça n'a pas l'air de fonctionner de juste attendre. Et je crois que je vais mettre du commercial parce que ça m'embête un peu trop d'attendre. Là, on peut voir, donc j'ai supprimé quand même la partie centrale parce qu'il fallait pas que ça vienne zoner sur l'avenue. Toujours essayer de zoner sur les rues adjacentes, enfin les rues secondaires plutôt que sur l'avenue qui est principale. Alors je sais pas si vous pouvez le voir facilement, mais j'utilise la caméra en mode planning. Donc je sais plus très bien comment elle s'appelle en français. Mais dans les options, on peut aller voir que la caméra peut changer pour être un peu plus loin et avoir un peu plus d'angle de vue.
Et c'est assez intéressant quand même si on est habitué aux anciens SimCity où on pouvait dézoomer un peu plus. Parce que justement, le problème, c'est que vu qu'ils voulaient pas, je pense, c'est pour pouvoir pas qu'on voit la ville, les limites de la ville aussi vite, ils avaient rapproché la vue et c'est plutôt désagréable quand on joue. Donc je vous conseille quand même de mettre la vue en mode planning qui permet de dézoomer plus et de s'approcher plus du sol, etc. Alors j'ai placé pour l'instant un seul arrêt pour les écoles par rue. C'est peut-être pas la meilleure des solutions parce que de toute façon ils vont devoir tous y aller donc je pense que je devrais multiplier par la suite. Mais ça je verrai peut-être. Je sais pas si je l'ai fait déjà là, je me souviens plus. Donc de toute façon on augmentera par la suite si jamais le nombre d'étudiants n'est pas assez important. Parce qu'il faut essayer de remplir après les lycées pour garder le plus possible de population éduquée et donc qui n'a pas besoin de devenir criminel. Parce que donc les étudiants qui n'ont pas d'école ont des chances de devenir criminels et donc de devoir utiliser la police avant d'être réinséré dans la société. Alors que l'école vous permet d'avoir un raccourci dans cet endroit-là où vos Sims vont partir à l'école plutôt que de risquer de devenir des délinquants, quoi. Oui, à chaque fois j'oublie de pas raccorder la route. Et là, je devrais pas faire ça vu que de toute façon c'est à 12 écarts. Et oui, quand on appuie sur B, on appuie souvent sur V sans faire exprès. V qui sert à faire de la capture vidéo, qui fonctionne pas toujours très bien, j'ai eu quelques petits problèmes. Donc j'utilise plutôt un programme tiers pour pouvoir enregistrer SimCity. Donc là, je continue à zoner du commercial, du résidentiel. Non, contrôle R pour pouvoir zoner plus rapidement. Là, je l'utilisais pas, mais dans la prochaine série de tutoriaux, j'essaierai d'utiliser au maximum les raccourcis et de les répéter à chaque fois que je les utilise pour pouvoir vous les apprendre en même temps. Les habitants viennent petit à petit s'installer, on voit qu'il y a 2-3 maisons qui sont à détruire. Là, je vais commencer à dézoner petit à petit pour laisser de la place pour le commercial. Donc, au final, il faut essayer d'avoir un tiers, deux tiers en termes de rapport population et commercial. Et après un petit peu de job industriel pour pouvoir faire le tampon entre les gens qui n'ont pas d'emploi et les shoppers qui ont besoin de commerce, quoi. Contrôle C pour faire du commercial. Donc c'est les mêmes lettres qu'en français, je pense, résidentiel, commercial et industriel. J'essaie de calculer plus ou moins la distance. D'ailleurs là je serais pas super juste, j'aurais dû essayer de calculer un peu mieux, mais c'est pas trop grave non plus. On peut raisonner par la suite. Et puis après j'aurai mes routes qui devront, si ça tombe, être connectées les unes aux autres. Donc c'est pas encore maintenant que je dois m'inquiéter de ça. Ce que je dois essayer de m'inquiéter pour l'instant, c'est surtout essayer d'avoir ce qu'il faut pour satisfaire la population résidentielle. On peut voir d'ailleurs que
tout ce que j'ai mis en commercial ne s'est pas encore transformé en commercial parce qu'il faut attendre soit que la maison meure ou se détruise, ou soit que la demande soit tellement forte que ça se construise par-dessus. C'est assez rare ça, donc ce qu'il faut faire généralement c'est détruire ce qui est disposé pour l'instant, et après ça va se construire en commercial par la suite. Donc ça c'est ce que je vais faire là, c'est détruire petit à petit toutes les zones qu'il faut pas garder. Essayer de mettre une route le long du rail, mais ça va être un peu dur parce que le rail en fait est légèrement penché sur la fin de la map, ce qui fait que c'est pas pratique d'y accéder. Donc je vais devoir passer un peu plus bas. Je sais pas si j'aurai la place pour faire une belle zone à cet endroit-là, mais c'est pas grave. Je me rajouterai une petite route sur la fin. On peut voir que la circulation commence à un petit peu se densifier sur l'avenue principale. Ça va être surtout dû à ce niveau de densité pour l'instant à la au camion de déménagement. Et je sais pas si j'ai déjà le service pour le ramassage des poubelles à ce moment-là. Mais tout ce genre de choses, les bus scolaires aussi vont prendre un petit peu, quoique là ils sont pas reliés encore en haut. Mais pour pouvoir jauger vraiment la densité de la circulation, il faut regarder à 6h du matin en fait. Parce qu'à 6h du matin, c'est l'heure à laquelle les résidences et les résidences vont se réveiller, si on veut, et aller travailler et aller à l'école. Donc s'ils vont à l'école et travailler, il faut que l'infrastructure routière soit suffisamment robuste pour pouvoir accueillir toute la ville qui se déplace en un coup. C'est pour ça que le mieux, c'est toujours essayer d'éviter d'avoir, comme là j'ai fait, les écoles qui sont du même côté que les industries par rapport aux habitants. J'essaierai de corriger ça à partir du moment où j'aurai le lycée, mais c'est pas vraiment le plus important pour l'instant. Donc là, c'est la destruction des zones. Bon, j'ai fait un peu à l'arrache pour. Parce que je sais pas exactement où sont les limites, mais j'imagine plus ou moins. Donc je détruis un peu plus que ce qu'il faut, mais c'est pas trop grave. Vu que pour l'instant, de toute façon, les résidents trouvent qu'il n'y a pas assez de shopping, il faut leur laisser la place pour que les shoppings grandissent. D'ailleurs, on peut voir qu'au-dessus, là où il y avait de la place, les shoppings se sont déjà installés. Et d'ailleurs, par la suite, on va voir que les shoppings augmenteront de densité plus rapidement que les résidences dans cet endroit-là. C'est la première fois que j'essaye délibérément d'aller aux 500 000 habitants. Donc, cette ville-là est un petit peu testée enfin, au fur et à mesure que je la crée. Donc c'est pour ça que je vais faire des erreurs pendant sa construction et que ce sera bien comme ça je pourrai justement les diagnostiquer et essayer de les résoudre devant vous, et comme ça vous saurez justement comment remédier à ces problèmes-là à l'avance la prochaine fois que vous créerez une ville. Donc là pour l'instant on n'a pas encore assez de commercial par rapport au résidentiel. Donc je vais m'occuper de l'autre côté des rues à chaque fois et faire la même chose. C'est mieux de d'abord dézoner, contrôle U, puis de détruire, puis de rezoner pour bien savoir où on est.
et où on en est plus ou moins aussi en termes de zones créées, détruites. Donc d'abord des années, contrôle U. Là j'ai raisonné par la suite, mais là justement je vois pas bien où je dois détruire. Bon là on peut s'en souvenir évidemment. Mais si, le problème c'est si on détruit comme ça avant de dézoner, ce qui se passe c'est que parfois ils ont le temps de se raisonner. Voilà, là par exemple j'ai fait une erreur, j'ai contrôle-cliqué pour raisonner sur le coin et ça a construit quelque chose sur l'avenue. C'est pas encore trop grave pour l'instant, mais ça pourrait créer des problèmes de trafic par la suite. Alors vous allez voir que je vais continuer à faire ça sur toutes les avenues. Et ce sera, je pense, comme ça qu'on terminera la vidéo. Donc n'oubliez pas les raccourcis qui vous faciliteront la vie. Donc contrôle R, C et I pour résidentiel, commercial et industriel. Contrôle U pour dézoner. Contrôle R pour les routes. Et R, quand on est dans le menu des routes, pour la développer. B pour le bulldozer. Commence un petit peu à parler en flamme, mais comme j'ai dit au début, c'est pas trop grave si la ville a des problèmes d'incendie au début. Ce qui est plus grave, c'est le crime, parce que dans une certaine mesure, les criminels peuvent évoluer, donc justement, ça peut avoir un problème sur la suite de la ville. Les incendies au début vont juste faire baisser le niveau de bonheur des gens, donc tant que leur bonheur. Oh, là, je me suis trompé. Tant que le bonheur est suffisant, c'est pas trop un problème. Donc quand on détruit une route, par contre, il faut penser à raisonner par-dessus. Voilà. Mais sur ce, je vais vous laisser. Une bonne soirée à vous. Et à la prochaine pour un nouvel épisode de Massimiste va craquer. Pensez à vous abonner à la chaîne si vous aimez bien. Et à commenter si vous aimez pas. Et si vous aimez bien aussi. À la prochaine et que la force soit avec vous.